Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Frostpunk sans fin, sans générateur, en extrême. Et on est parti. Là, on va avoir la planche à dessin. Prochain truc qu'on fait, c'est le radiateur, évidemment, pour avoir un tout petit peu moins froid pendant la période à venir. Pour travailler exactement dans les mêmes conditions. Par contre, on aura froid dans nos pénates. Le mécontentement est haut. Ça serait bien que je fasse quelque chose pour le faire baisser. Ouch, il est très haut en fait, en vrai. Loi controversée, oui, mais bon, en même temps. Le radiateur c'est 10, donc je peux aller faire un poste de collecte. Voilà. Bah ça on démonte. Là on attend que ce soit fini. Et on va pas tarder à faire un autre poste de recherche aussi. Technologie. Voilà. N'importe quoi. Il me faut un poste de soins et un poste de collecte. Planche de dessin, dispo les radiateurs. Merci. Combien de temps pour les radiateurs? S'il te plaît, 10 heures. Ok, oh là 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 là. Ça va virer aussi. Et on aura nettoyé toute la zone là. On va pouvoir faire nos 4 petits coins. On est bon. On a 20 gars qui bossent pas là. Au pire, faut me les mettre là. Colline enneigée. Scierie abandonnée. Ah, j'ai pas fait l'exploration. Je suis un peu ballot. Explorer. Entrepôt ruiné. Bon, on va aller à la scierie. Je tourne autour de la ville pour essayer de trouver des réfugiés. Je connais plus ou moins les noms des endroits où ils sont. Et ils sont souvent à deux jets de pierre de la ville. Pas systématiquement, mais je préfère faire le tour de la ville comme ça, voir ce que s'il y a quelque chose qui m'inspire. Alors là, visiblement, il manque un petit bout de route pour que monsieur soit pleinement satisfait. Ici, on en met 10. Ici on en met 5, on va accélérer. Il n'y a pas de raison. Ici on va mettre des ingénieurs. Et ça va nous virer des gars pour aller bosser. Ben, ici mais c'est des malades en fait eux. Des malades de maladie, bien entendu. Poste de collecte. Hop là. Est-ce qu'il faudra en faire un autre ici pour le charbon? Mais on n'a pas besoin de charbon pour le moment. Pas plus que ça en tout cas. Alors est-ce que je vais chercher la maison de soins tout de suite? J'ai peut-être intérêt à faire les arènes de combat en premier quand même, hein. Parce que ça réduirait le mécontentement et le mécontentement il est haut là. Faire les arènes de combat en premier. Quoi la recherche là?
Les radiateurs, mais ils n'auront pas fini ce soir. Ils n'ont pas fini. Bande de boulets. Combien de temps il vous reste? Oui, mais combien de temps il vous restera? Eh ben 150 de 13 heures. On est à combien de pourcentage? À 90%, donc 10% de 13 heures, ça fait 1,3 heures. 1h18. 1h18, mais on est à 150%. Ça va. Ça va, ils vont commencer à 6 heures et le froid il tombe à 7 heures. Moi, je dis que c'est bon. Je dis que c'est synchro, que c'est parfait. Allez hop, mets-moi des gars à travailler là-bas. Il y a des gars ici, ouais. Ouais, bah continuez. Non, franchement, demain il va faire hyper caille. Pas de ça. Par contre, du coup. Voilà. On met pas de malade. Très bien. De toute façon, on n'a que 3 gars malades, donc on est bien. Alors, on est un tout petit peu en sous-nourriture, hein, mais c'est 15 bras de plus quand même. Hein. Les gens ont le droit d'avoir un peu faim. Hein. On va pas les empêcher. Ça serait gâché. Ok, par contre, là, visiblement, il faut rouvrir ici. Donc les ingénieurs qui sont là. Ils viennent ici. On va ouvrir. Et là, bah, vous mettez des. Des gars comme ça. Quand vous le sentez, vous l'ouvrez le truc. Va manger, va manger, va en traitement. Super. Les mecs, ils sont dehors pendant toute la nuit. Un bon leader, nous pourrions nous en sortir. Mais va chier. Allez, la recharge, la recharge, la recharge, la recharge, juste avant le froid. Top. 6h54, 6 minutes avant le froid. J'aurais dit, genre, tip top. Seconde équipe, parce qu'on est pressé d'avoir une seconde équipe. Ok, oui, allez, on va chauffer, vous inquiétez pas. On chauffe partout. Gars, ça veut dire que vous allez en rechercher là. Donc ici. Ici. Et ici, hop. On n'a pas de malade normalement. Ok. Et ici, on va mettre des ouvriers en espérant qu'ils ne soient pas tous malades. Non, c'est bon. Donc on peut ouvrir. Le mécontentement commence à monter à cause de la fraîcheur dans les maisons. Ils arrivent avec les rations ou ils arrivent pas? Non, c'est déjà fini. Ils sont déjà partis. Bah, va bosser. Va bosser nulle part. Là, il y a des malades. Un seul. T'es pas la mort non plus, hein. Là aussi, un seul. Là, il n'y en a pas. Un seul. Allez, faut me soigner tout ce beau monde. J'arrive pas à comprendre par contre pourquoi ils viennent pas eux. Ah, il y en a deux en traitement, d'accord. Aussi. Ils sont où les ingénieurs?
Deux ici. Un ici. Un ici. Donc là, ici. Voilà, il est malade, tu les mets là. Il y en a un trop là de malade. Voilà. Bon, il y a des affamés, mais rien ne les empêche d'aller manger, donc bougez-vous, vous aurez à manger. Allez, on a fait un demi-côté. Gâche un peu de bois, mais faut bien que ça avance. 15h, on va peut-être pouvoir envoyer l'équipe ce soir. Ça serait bon, ça. Bah oui, ce soir, on va l'envoyer. Donc après l'éclaireur, on va faire les scieries. Et une équipe d'éclaireurs. Par contre là, ce que j'ai envoyé, c'est des éclaireurs malades à tous les coups. Où est-ce que je pourrais les mettre à bosser? Navire gelé, champ de neige, go. Ok. Je pense qu'il va falloir un autre poste médical. Après la scierie, ça sera le medical up pour que les postes médicaux travaillent plus vite. Ça tombe bien, on a besoin qu'ils travaillent plus vite. Mais juste avant, on va faire notre arène de combat. Alors ici ou ici? C'est clairement ici. Ça devrait nous faire du bien pour le mécontentement, arriver à le calmer, histoire de passer ce cap difficile. Faut juste pas que ça arrive en haut. Bon, on est toujours un peu ric-rac au niveau de la nourriture, mais bon, les gens mangent moins que prévu. Ils attendent avant de manger, donc du coup on gagne du temps, donc on gagne des rations. L'espoir augmente. Ouais, et le mécontentement baisse, du coup, puisqu'ils sont tous à côté. Et on va faire le truc de prière juste après aussi. Après, on pourra passer aux scieries. Scierie abandonnée, tiens. Des profilés du bois. Plutôt bien. Le profilé étant fait. Dameuse endommagée. Ça c'est bon signe. Souvent ça donne accès à la dameuse, je crois, à un village. Mais est-ce qu'il est pas trop tard? Jour 6? Non, il est pas trop tard. Vlapa la cata. Hop là. Allez, on va accueillir 10 bonhommes de plus, on va passer à 42 malades. C'est souvent le cas de toute façon. Parce que là, les tentes, en fait, par cette température-là, c'est très simple.
Voilà, elles sont dans le froid. Donc, par froid, ils entendent. Ils risquent modérés de tomber malade. Mais comme c'est modéré pour tout le monde, c'est plus du tout la modération dans les postes de soins. Faut qu'on continue à prioriser nos ingénieurs. Un seul ingénieur ici. Deux ingénieurs ici, où on est à 100%. Zéro ingénieur ici. Et trois ingénieurs ici. Parce que c'est eux qui font tourner la boutique, hein. Oui, on peut pas ramasser. Ah, ça se réchauffe, ça fait du bien. On va garder notre chauffage. Ça va nous faire le plus grand bien. Bon, on a 10 bonhommes dehors quand même. Alors là, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient expulsés. Personne ici. Ok, c'est bon. Ça va être quasiment vide. Ça non plus. Dans la journée, on a 10 places qui se libèrent. Donc ça va faire le taf. Et puis dès demain, on commencera à récupérer des gens. Et pour le prochain moins 40, l'objectif, c'est d'avoir des dortoirs pour que ça passe crème. Ok, alors avant qu'ils aillent manger des vivres crus, on ferait mieux de mettre du monde et d'ouvrir. Ouais, c'est pas tip top, hein. Voilà. Ils sont déjà tous rentrés. À 13h, ça paraît normal. Là, on fait du charbon. Alors, qualité de nourriture. Ration standard, non. Clairement pas. Désolé, mais non. Du coup, on va faire le pub. Allez, c'est bon, on est réussi à tomber à 40. Tout le monde est soigné. Avec la température qui augmente, les pubs, les arènes, ça devrait aller mieux. Pub et l'alcool, hein. Je pense qu'en 48 heures ça va aider. La scierie, juste à temps. Bon, la machine, c'est 75. Efficacité des postes de soins. Voilà, très important pour aller chercher l'isolation des postes de soins. Dont on va avoir besoin. Pour que les gens... Ouais, on va donner de la nourriture à tout le monde. Donc il est 20h, on va ouvrir. Renvoyer, renvoyer. Hop. 16. Est-ce qu'on a des malades là-dedans? Oh, on a des malades!
Donc ça veut dire que dans tous nos postes, les gars qui vont travailler demain, c'est des malades, donc on va rien produire. C'est pas la joie. Vous pouvez me guérir des gens là? Moins d'une heure, 7 heures, 3 heures, 2 heures, 7 heures. On va guérir pas mal de monde pendant la nuit. Et avec un peu de chance, on pourrait fermer un poste de soins avancé. On saura ça demain matin. Ok, on est arrivé où? Composé en acier. Et normalement, roche étrange. Ah non, c'est pas ça que j'attendais, c'est pas ça que j'espérais. Triste. Alors, rien trouvé ici. Sac de pierre, tente rouge. Ah, tente rouge. Go, 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 go. Tente rouge. Allez, 34. C'est bon là. C'est bon les soins. On est en train de rattraper. On va tout faire pour faire foirer, mais va, vache! C'est même pas vrai! Allez, vous mangez là, hein? Vous mangez bien! Alors, qui c'est le boss? Vous êtes déjà revenu, vous? Vous aussi? Et vous, pas encore, par contre. Mais il y a assez pour tout le monde. Si je fais ça. Prière, serment et personne en voisinage du nous proposer ce qui augmentera leur espoir. Ouais, mais ça fait pas baisser le mécontentement. C'est pas comme un petit triage. La maison de soins, les malades graves sont les résidences soins mangent moitié moins, l'espoir augmentera légèrement. Ouais, mais pas le mécontentement. Le pub. Seront moins mécontents. Voilà. Allez, où? La cour de caisse de bois, c'est où? C'est là déjà? Ah non, c'est là. Ah, bah c'est bien ça. Demain, on va enlever toutes tes heures sup. Et déjà là, les médecins, ça va aller mieux. Ah, il y en a encore 3 dehors. C'est quoi la blague? Cours de débris d'acier. C'est bien, tu fais du charbon, c'est pas grave. Ok, là je peux enfermer un. Zou. On ferme, on va bosser là-bas. Risque de famine. Ce soir, on envoie plus de monde au corps chassé.
Est-ce qu'on a moins de malades? Comme ça, demain, on règle la famine. Parfait. On enlèvera les heures sup. On ouvre le pub. Amélioration des postes médicaux. Ben voilà. Alors, dortoir ou machine à vapeur? Ben, on n'a pas pour assez pour la machine à vapeur, donc la question se pose pas. Les dortoirs. Allez, c'est parti. Il me faudrait quand même plus de bois. Donc il va falloir faire les scieries là. Une scierie. Allez, poste de médicaux, on peut enfermer un de plus. On va mettre des ingénieurs ici. Il est 20h. Vous allez me vider tout ça. De toute façon, demain, il faudra bosser dans la scierie. Mais là, déjà, vous m'envoyez tout ce beau monde. Ici, on bosse normalement. Pareil ici. Voilà. Voilà. On a moins de malades, je comprends pas que le mécontentement baisse pas là. Vous pourriez me construire le pub? Merci. Roche étrange. Y a rien, y a rien, y a rien. Dreadnought, Amos of Lee, voilà. Non, c'est trop loin. Un jour et 18 heures, ça nous amène. Jour 9, ah si c'est bon. Allez, go. Là, c'est quoi? Mauvaise nourriture, surpeuplement des postes médicaux. Logement froid. Ah ouais, mes gars, logement froid, je peux rien faire, moi. La population a faim. Demain, on va faire de la nourriture normale. Mais est-ce qu'on va pouvoir nourrir tout le monde? C'est pas garanti. Allez! Les sports augmentent, le mécontentement baisse. Heures. Demain matin.
Je veux des gars là. Des gars là. Des gars là. Et l'alcool artisanal. Allez, ça va encore aider. Alors, l'alcool artisanal. Chaque repas diminue légèrement le mécontentement. Manger de la soupe cause moins de mécontentement. Allez, on y croit. Tout ça pour pas se faire virer, c'est scandaleux. Bon, et puis il me faut 75 bois là. Tente rouge, des survivants. Les escorter en ville pour pas qu'il y ait de mort. Envoyer les survivants en ville. Je les envoie. Et moi je vais aller au cercle de pierre. Ils arrivent dans combien de temps? Dans 3 jours. Hein. Ils arrivent jour 11. Allez, des repas normaux, faits par des ingénieurs haut de gamme. Suffisamment pour nourrir tout le monde. C'est parti! Allez, fais-moi baisser le mécontentement. Allez, encore, 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 encore. Encore, encore. Quoi? Allez. Il y en a qui sont pas encore rentrés ou tout le monde est rentré? Il y en a qui sont pas encore rentrés, allez. 3h38 minutes. On ouvre. Allez, 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 tu peux le faire. Allez. Non. Il n'y a pas d'heures supplémentaires. Arrête, arrête, il n'y a pas un seul endroit où il y a des heures supplémentaires. Ah non, me dis pas que c'est pas bon. Le mécontentement diminuera légèrement. Et hop là! Qui c'est le boss? Allez! La partie continue. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.